Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo qui va être la première d'une très longue saga puisqu'en effet, en ce 1er mars 2022, un grand challenge autour de Alice au Pays des Merveilles se réalise et ce jusqu'à la fin mars. C'est pourquoi j'ai décidé de relever ce challenge puisque pour ceux qui me suivent et me connaissent, vous savez à quel point Alice au Pays des Merveilles est un conte qui me tient particulièrement à cœur, qui a marqué ma culture, mes pensées, ma vie. C'est un conte auquel je m'identifie beaucoup de par son univers et par plein de choses. C'est pourquoi je vous propose sur tout le mois de mars de partir à la découverte de Alice au Pays des Merveilles sur tout un tas de supports. En effet, je vous posterai plein de choses qui seront uniques sur Instagram et sur YouTube, hein, donc il faudra suivre à la fois Instagram et YouTube, puisque vous retrouverez des choses sur Instagram qui ne seront pas forcément présentes sur YouTube, et des choses sur YouTube qui ne seront pas non plus présentes sur Instagram. Pour cette première vidéo, je vous propose de partir à la découverte d'un jeu vidéo qui m'a beaucoup marqué et qui reste encore pour moi une référence en termes de jeu vidéo, puisque je trouve que c'est un jeu qui est particulièrement bien réalisé. C'est un jeu qui est narratif, à la fois c'est un jeu d'action et de plateforme, vous allez le découvrir dans quelques instants puisque je sais que beaucoup d'entre vous ne jouez pas forcément aux jeux vidéo et peut-être même que vous allez découvrir qu'il y avait des jeux vidéo associés à Alice. Puisqu'en effet, Alice à la base est un livre de Lewis Carroll, hein, il y en a deux, Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Il y a eu également des adaptations dont la célèbre de Disney et je pense que vous connaissez tous Alice au Pays des Merveilles à travers le conte de Disney. Mais justement, je vous propose de découvrir toute l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, puisque elle ne se résume pas simplement à l'adaptation de Disney, qui est, comment pourrait-on dire, assez édulcorée sur la véritable histoire de Alice. Vous allez découvrir le monde caché de Alice, un monde qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturé, avec des symboliques qui sont multiples. Pour ce jeu, il s'agit de Alice Madness Returns, qui est sorti en 2011, qui est la suite de Alice American Maggies. Peut-être que je vous le proposerai, je sais pas, on verra, parce que bon, les graphismes ont un petit peu vieilli quand même, hein, puisqu'il était sorti dans les années 2000. Donc le gameplay et les graphismes ont un peu vieilli, et celui-ci je trouve que non, il n'a pas trop mal vieilli, il est encore très correct pour son âge, puisque n'empêche, ça fait quand même 11 ans que ce jeu est sorti, hein. Alors, je vais essayer de vous faire des vidéos qui ne seront pas trop longues, c'est-à-dire une heure et demie, grand maximum. Je tiens à préciser qu'il va y avoir du spoil tout le long, puisqu'en effet, on va faire le jeu dans son intégralité. Donc pour ceux qui n'y auraient pas joué et qui voudraient y jouer, je vous déconseille de regarder cette saga. Je tiens également à préciser que c'est pas un let's play dans le sens où je vais pas vous montrer tous les secrets et tout ce qu'il y a à découvrir dans le jeu. Ainsi, si certains voudraient y jouer, eh bien ça vous permettra d'avoir ce petit challenge à relever pour découvrir tout un tas de choses qui sont dissimulées dans les mondes. Il y a des collectibles aussi à rassembler, etc., etc. Là, ça va vraiment être une sorte de, comment pourrais-je dire, simplement l'histoire, on va se laisser porter par l'histoire qui va être racontée. Je vais vous emmener dans différents mondes et vous verrez qu'après cette saga, vous ne verrez plus jamais Alice de la même façon puisque vous allez voir, notre Alice a grandi, elle semble être perturbée, elle semble avoir vécu des choses qui l'ont fortement contrariée, et il se pourrait même que le Pays des Merveilles soit en danger, par conséquent Alice va devoir se battre pour, eh bien, défendre et libérer le Pays des Merveilles afin de le retrouver tel qu'on le connaît. Sans plus tarder, je m'arrête là et on débute tout de suite le let's play. Nous voici sur la page d'accueil du jeu et comme on peut le voir, notre Alice déjà n'a pas tout à fait la même tête que dans l'adaptation de Disney. Hein, exit les cheveux blonds, on voit qu'elle est devenue plutôt assez dark avec une petite touche de gothique. Hein. On voit son costume qui est très inspiré de l'univers d'Alice avec les jeux. Je vous montre rapidement. Là, sur cette page-là, comme vous pouvez le voir, il y a des choses qu'il va falloir retrouver dans le jeu. Et comme vous pouvez le voir, ma partie, je suis avancé à 98%. Sur la console, je l'ai complètement poncé, hein, à 100%. Donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément vous montrer tout ce qu'il faut retrouver. Parce que d'une part, ça serait assez long. Et je ne tiens pas à vous faire une saga trop longue non plus.
Et comme je vous l'ai mentionné, pour ceux qui voudraient jouer au jeu, ça vous permettra d'avoir ce challenge à relever, puisque comme vous pouvez le voir, il y aura des souvenirs ravivés à trouver, des groins poivrés également, des bouteilles à ramasser, des salles radula également à faire, il y aura des armes à retrouver, et on peut voir que les chapitres sont symbolisés par des clés. Donc j'ai retrouvé toutes les clés, donc vous doutez bien que le jeu, je connais tout ce qui va se passer. Mais voilà, tout ça, on va le faire ensemble. Je vais essayer au maximum de suivre le jeu, c'est-à-dire que je vais prendre les robes des niveaux, puisque Alice va changer de tenue en fonction des niveaux. Mais il faut savoir que chaque robe va avoir des pouvoirs particuliers, et certaines robes vont avoir des pouvoirs quand même assez cool. Donc afin de pas trop faciliter le jeu, sinon ça sera un petit peu triché, il faut aussi que je me challenge moi-même. Donc par conséquent, je vais utiliser les robes de chaque niveau. Et je vous propose tout de suite de faire une nouvelle partie plus. On va pas se prendre la tête, on est là pour se détendre, pour jouer, pour passer un bon moment et surtout pour découvrir l'histoire de Alice. Donc ça ne m'intéresse pas de mettre la difficulté en difficile ou en cauchemar, on va se le faire en facile. Hein. Ouais, je sais, je choisis la solution de facilité, mais ayant fait le jeu en difficulté moyenne, difficile et cauchemar, pour ma part, j'ai pas besoin de me relever ce challenge, je l'ai déjà relevé. Là, le but étant de vous faire découvrir l'histoire de Alice au Pays des Merveilles. Donc, facile. En gamma, on est bien. Inverser l'axe, non. Et on va y aller tout de suite avec une première cinématique que je vous laisse découvrir. Tout va bien, Alice. Rien de plus qu'un rêve. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir. Et il me rend malade. Oui, parfait. Détends-toi. Encore. Tu flottes. Tout s'efface. Tout part. Je suis en enfer. Oublie-les. Efface ce souvenir. Il est encombrant. Laisse-le. Va vers tes merveilles. Impossible. Prise au piège. Du passé. Sergent, cette fille est blessée. Appelez un docteur. Est-ce qu'elle va survivre? Oublie cette illusion. Oublie-la. Retourne aux merveilles. Je ne veux pas, docteur. Mes merveilles sont mortes. Éparpillées. Ce que tu veux n'a pas d'importance. Bien, Alice, où es-tu? Je navigue avec un ami. Je suis différente. J'ai changé. C'est très bien. Ton premier pas sur le chemin de l'oubli. Que se passe-t-il? Êtes-vous fou? Insolente. Lapin? C'est curieux. Que fait-il ici? Est-ce que vous m'entendez? C'est choquant. Tout va mieux, n'est-ce pas? J'ai un marteau pilon dans la tête et dans la poitrine. C'est normal, Alice. L'oubli n'est pas gratuit. Les souvenirs me rendent malade. Je voudrais... te rappeler autre chose. Je veux oublier. J'en ai assez d'être seule, prisonnière de mon maudit passé. Tu seras libre, Alice. Les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils ne nous libèrent. Vous l'avez dit tant de fois et... Et je te le répète, il faut payer pour pouvoir oublier. Bien. Avant notre séance, va donc chercher ses cachets chez l'apothicaire. Très bien, docteur. À mon
mon tour d'oublier, Alice. Bien, Charlie. Ton père a été pendu pour avoir tué ta pauvre mère qui te battait. Il faut oublier tout ça. Veux-tu? Plus de passé, Charlie. Oublie ce taudis infâme, oublie ta famille. Elle n'a jamais existé. Tout va bien, Charlie. Vois-tu? Détends-toi. Écoute. C'est fini. Bien, après cette cinématique, on a pu voir que Alice a beaucoup changé et on pourrait se poser la première question et se dire mais que s'est-il passé pour que Alice soit dans cet état? Elle semble être très perturbée, je pense que le mot est faible, puisque comme vous l'avez compris, Alice se situe dans une sorte d'un orphelinat. Et elle est suivie par un psychiatre qui essaye de l'aider à oublier des souvenirs, et entre autres le souvenir du Pays des Merveilles. Pourquoi diable s'évertue-t-il à vouloir lui faire oublier ce souvenir? Est-ce que Alice aurait sombré dans la folie, peut-être, hein? D'ailleurs, Alice, c'est le titre du jeu, Alice, retour au Pays de la Folie, hein? Et comme vous avez pu voir avec la première cinématique, on est sur une ambiance assez dark, assez glauque, à la Tim Burton. D'ailleurs, le jeu est interdit aux moins de 18 ans. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que il va y avoir des choses assez perturbantes dans ce jeu, mais je ne vous en dis pas plus. Donc si vous n'avez pas trop le cœur sensible et que vous pensez être rodé pour ce voyage dans le pays de la folie, eh bien je vous invite à rester avec moi. Allez, maintenant donc nous sortons de notre séance, on va explorer un petit peu cet orphelinat, hein, j'allais dire ce pensionnat. Donc ici on a la pièce des garçons, la chambre des garçons. Très déprimant, hein. Ça réveille. Très déprimant, on est dans une ambiance victorienne, hein, dans l'Angleterre victorienne. Là, on peut voir des cartes au sol, plusieurs jouets. L'ambiance est très triste, je trouve. Vous allez voir, l'ambiance du jeu est vraiment particulière, vraiment très singulière. Là, on a la chambre des filles. Avec une poupée, un service à thé, un train. Poupée qui est assez creepy, hein. Vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi. Là, on a, un aquarium avec ce qui reste d'un poisson. Hein. Visiblement, il n'a pas survécu, le pauvre petit poisson. Il est bon, il t'a guéri, toi? Pas pour l'instant. En phase terminale. Là, on a une petite marelle. Qui a connu la marelle, hein? Toujours à pleurnicher. Je ne pleure pas sans raison. Et toi? Là, on y voit tout un tas de valises et d'objets. 10 ans avec les cinglés. Sans mère, sans relation. Une orpheline. Est-ce qu'il parlerait de nous? Est-ce que nous aurions passé 10 ans avec des cinglés dans un hôpital Monsieur psychiatrique? Payne dit que l'on n'est jamais mieux que chez soi. Mais sans mes dessins et cette photographie, on se croirait dans ma chambre d'hôpital. Alors, il y a plusieurs dessins que Alice a fait. On peut voir un cavalier ici, on peut voir les soldats, les cartes soldats. Le lapin avec son horloge, on peut voir un labyrinthe avec un cœur au centre. Les jumeaux, hein, Tweedledee et Tweedledum. Le chapelier fou, les petits champignons, une tour. Et ici, nous avons un cadre. Cette photographie de ma famille a été envoyée par la poste. Aucune adresse ni signature. J'aimerais remercier l'expéditeur en personne. Et on peut voir donc la famille d'Alice. Alice qui est ici, la plus petite, avec son lapin blanc. À côté, il y a sa sœur, Elisabeth, Lizzie, ainsi que son père et sa mère. Et on voit qu'elle est dans une chambre particulièrement triste où il n'y a rien. Mais ce n'est pas la chambre qui nous intéresse. Nous, on va essayer de sortir. Et là, nous avons la pièce principale. Je mange mon chapeau si elle est saine. Avec une maison coupée. Qui en voudrait ? Les jeux sont vachement creepy quand même, hein. On dit de moi, de ma poupée Annabelle, mais je veux pas dire. ces poupons sont quand même assez effrayants. Un autre rêve. Et voici Londres dans les années 1800. On peut voir un Londres qui est particulièrement sombre, hein, qui est sale également. On est en pleine révolution industrielle.
Donc un Londres très steampunk. Ah, un petit chat blanc. Nous allons suivre ce petit chat blanc. Puisque vous savez, hein, Alice avait un chat du nom de Dina. Mes jardières. Alice Liddell. Toujours dans la misère? Miss Witless. Bonjour. Les misérables se croisent. Vous êtes toute seule? Vous semblez pâle, ma chère. Vous vous sentez bien? Pas vraiment. Venez chez moi, vous verrez mes oiseaux. Magnifiques, comme vous. Je ne crois pas. Notre dernière visite m'a coûté plusieurs livres. Je pourrais pourtant bien me rappeler de votre lapin. Toujours bien. Folle. Allons voir la vieille. Elle a vu les siens grillés vivants comme des marrons. 10 ans à l'asile de Rutledge, c'est du temps perdu pour tout le monde. Le docteur Bumby ne fera guère mieux. Toujours les mêmes questions. L'incendie, ses souvenirs, oh, quel ennui. Je mérite bien sa gratitude, non? Qui donc l'a habillée? Qui donc l'a placée chez Bumby? Où serait-elle sans moi? Dans la rue, avant de ses fesses. Au moins, elle aime mes pigeons. Elle m'a déjà lâché une pièce ou deux. Mais ce que je sais vaut bien plus. C'est un secret, n'est-ce pas? Elle a dit, ils sont morts par ma faute. J'ai rien pu faire. Le silence est d'or, mais le mien vaut moins. Je sais me taire, vraiment. Pas comme sa nourrice, cette putain. Ou leur ami juriste Radcliffe, qui lui a pris son stupide lapin. Plus un sou. Je l'ai prévenue que je la dénoncerais à la police si elle ne se montrait pas plus généreuse avec moi. Elle ne cesse de gémir et se plaindre. Des jours qu'elle se souvient plus de son nom, d'après ce qu'on m'a dit. Bien, donc on a pu constater que la vieille possédait un secret sur Alice. Et qu'elle semble pas très agréable non plus au passage. On a également pu découvrir dans cette cinématique que Alice a donc fait un séjour de longue durée dans un hôpital psychiatrique. Regardez un petit peu cette scène, ce paysage. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous penseront tout de suite à Mary Poppins hein, quand elle se balade sur les toits avec les enfants et le ramoneur. Infirmière, voulez-vous me blesser en me renvoyant à l'hôpital? Ne me tentez pas. Je vous troquerai bien contre un verre, vous savez. J'ai si soif. Alcoolique. Que je bois dans la famille. Compris, nous sommes tombés dans le trou de lapin. Enfin, c'est plutôt le pays des merveilles qui s'est manifesté à nous. Ah, j'ai pas la bonne robe.
Ah, je suis désolée les amis, normalement, je pensais qu'en faisant une nouvelle partie plus, ça m'aurait mis les robes qu'il y a dans chaque niveau. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai les différentes robes de Alice. Mais normalement, là, elle arrive donc dans le Pays des Merveilles. Et elle a la robe qu'on pourrait lui reconnaître dans l'adaptation de Disney. Ce qu'elle est devenue. Au moins, cet endroit me rappelle quelque chose. Il était grand temps, Lida. Maudit chat. Ne me cherche pas trop. Je suis un peu à bout. Parfait. Quand tu n'es pas au bout, tu prends beaucoup trop de place. Ça ne m'aide pas. Mais tu sais que je peux. Je sais me faire peur. Toute seule, ne t'en fais pas. J'espérais échapper à tout cela. N'espère pas trop. Cet endroit a quelque peu changé, Alice. Raide comme sa justice. Très dangereux. Reste bien sur tes gardes. Je vous disais donc, dans ce niveau, elle a la robe qu'on peut lui connaître dans l'adaptation de Disney, à savoir une robe bleue avec son tablier blanc. Il y a également des symboles ésotériques qui sont rattachés aux symboles planétaires qu'on peut retrouver sur les poches. Elle a des collants rayés rouges et noirs avec une paire de bottes. Mais voilà, vous aurez cette robe, j'espère que vous la trouvez jolie, puisqu'il faudra faire avec pour ce niveau-là. Regardez un peu, nous sommes enfin dans le Pays des Merveilles. Regardez comme c'est beau, on a les petits dominos comme ça qui flottent. Je trouve que le paysage est absolument incroyable. Quand la première fois que j'ai joué à ce jeu, ça m'a vraiment fait bizarre parce que... Alors j'avais vu bien sûr l'adaptation de Disney et j'avais vu les films aussi, puisque ce jeu j'y ai joué tardivement. Hein. J'ai pas joué à sa sortie, mais j'ai joué après la sortie des films, puisque je ne connaissais même pas le jeu. Et quand j'ai... j'ai beaucoup aimé les films de Tim Burton, j'ai beaucoup aimé le Disney, mais je trouve que c'est le jeu qui résume le mieux vraiment l'univers d'Alice. Cet univers, regardez le petit papillon Absolem. Je trouve que c'est dans le jeu qu'on a vraiment cette ambiance autour du Pays des Merveilles qui est à la fois beau et loufoque, qui est improbable, mais qui peut aussi rapidement devenir très sombre. Allez, je vous laisse un petit peu admirer. Regardez, on va regarder un petit peu les détails. Regardez, on a des fleurs ici. On a des billes, hein, des billes, des yeux de chat. On a des dominos, des dés. Regardez ici, on a une vache oiseau avec un pi. C'est assez drôle. Et on y va. Alors, voyez là cette petite maison qui flotte. C'est un souvenir et il y en a plein à récupérer dans le jeu. Ils n'ont pas forcément la forme d'une maison, ça peut être une paire de lunettes, un stylo... En fait, chaque souvenir va être associé à un personnage. Là, par exemple, la maison est rattachée au souvenir de Alice directement. Et en fonction du souvenir qu'on va retrouver, sera rattaché à un autre personnage qui viendra fournir des informations supplémentaires sur l'histoire d'Alice. Donc c'est quand même assez intéressant, si vous voulez comprendre toute l'histoire d'Alice, de récupérer tous les souvenirs. Tu es française, Alice, c'est sûr. Une vraie grenouille. Regardez un peu comme c'est beau, c'est magnifique, j'adore. Regardez ça. Avec les dominos, les petites billes qui flottent, les dés, j'adore. Je connais le jeu par cœur, hein. Je l'ai poncé je ne sais combien de fois, mais je suis toujours en extase à chaque fois que je rejoue au jeu. Regardez ici, on a une statue d'Alice avec la cascade. Et qui est en train de pleurer. Un autre souvenir. Si tu sautes encore de la table, tu vas me faire mourir, Alice. Tu es beaucoup trop imprudente, ma petite chérie. Vous avez vu que les champignons nous font sauter, on adore. Un autre souvenir. La manite tue-mouche, Alice, est un champignon dangereux, d'une belle apparence, mais venimeux. Regardez ce qu'il y a en face de nous, un flacon avec l'étiquette « Bois-moi ». Donc qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, je vous invite à qu'on aille goûter ce breuvage. J'ai déjà pris ce chemin.
Par le trou de la serrure? Même si l'on n'a pas de costume de bain, le plongeon me semble inévitable. Oh non! Je réduis dans la potion! Vais-je disparaître? Bientôt, mais plus terre à terre, tu pourras voir des choses qui autrement seraient invisibles à la grande toi-même. Ah, je comprends. Enfin, l'arbre voit la forêt, mais pas ses propres branches. Finalement, la taille n'est qu'une question de point de vue. Nous avons un trou de serrure. Comme vous avez pu voir, donc la potion nous fait rétrécir dès que nous activons son pouvoir. Et ça va être très utile pour passer dans des petits endroits. Mais avant ça, on voit une piqûre qui flotte. Il s'agit donc d'un nouveau souvenir qui est rattaché au médecin. Oh, comme elle a rétréci. Si petite, elle n'est plus rien qu'un rat dans son trou. Je vais vous montrer aussi quelque chose qui est très important si vous pensez jouer au jeu. À chaque fois qu'on active donc notre petite taille, ça nous permet de voir certaines choses que l'on ne voit pas forcément avec notre taille adulte. Regardez par exemple, là sur le mur, on peut voir une espèce de dessin. Alors non, ce n'est pas la reine de cœur. Pour ceux qui connaissent l'univers d'Alice, il s'agit de la duchesse avec un panier et une petite flèche. Et vous voyez qu'on ne voit pas ces symboles. Hein, pareil au sol aussi. Donc quand on est perdu, qu'on ne sait plus trop où aller, ça peut être bien d'activer ce pouvoir afin de savoir où est-ce qu'on doit aller, ou ce qu'on doit faire. Ici nous avons des petites fleurs violettes qui sont elles aussi très intéressantes, puisqu'à chaque fois qu'on va se mettre dedans et qu'on va activer notre pouvoir, eh bien ces fleurs vont régénérer notre vie, notre santé. Donc ça c'est très utile. Vous avez vu, il y a des petites dents. Des dents qui sont très utiles, puisque vous allez découvrir, ces dents sont la monnaie du jeu. Regardez, ici on peut voir qu'il y a un dessin ou une espèce de couteau avec une espèce de démon. Donc est-ce qu'il va falloir combattre? Ici nous avons un autre souvenir. Je ne me suis jamais autant amusée qu'au toboggan à Hyde Park. Papa te montrera, Alice. Avant de poursuivre, je voudrais faire un petit aparté sur les musiques du jeu qui sont absolument sublimes. Et je sais pas, elles dégagent quelque chose qui est extrêmement profond, je trouve. Nous voilà sur un petit toboggan, une espèce de tableau. Un tableau toboggan. Ok, l'ambiance vient de changer, comme vous pouvez le voir. La petite rivière fait place à une rivière de sang. Il y a des taches de sang. C'est déjà un petit peu moins bucolique. Le Pays des Merveilles, petit à petit, commence à se transformer en horreur. Et regardez ici, nous avons le squelette du Jabberwocky. Hein, cette créature qui est à la botte de la Reine de Cœur. Et comme on peut le voir, il ne reste plus que son squelette. Donc il se pourrait que Alice l'a peut-être déjà combattu auparavant, peut-être. Le glaive vorpalin perd ses tranches, toujours prêt à terrasser la bête. Je ne suis pas venue ici pour me battre. Vraiment ? C'est bien dommage. C'est pourtant ce qu'on pourrait attendre de toi.
Vous commencez à reconnaître certaines cartes de mon oracle. Ça y est, vous commencez à faire des liens avec celle-ci. Vous avez obtenu le glaive Vorpalin, perce et tranche, flaque vlan, il terrasse la bête, comme dans le poème. Donc là, on nous apprend comment utiliser le glaive Vorpalin. Donc si Alice récupère des armes, c'est qu'elle va peut-être devoir se battre. Nous avons ici un petit souvenir. Tu dois choisir entre fuir et te battre. Mais la fuite ne fait que reporter le combat à demain. Choisis bien tes batailles, Alice. Comme je vous ai dit, on récupérera peut-être pas tous les souvenirs, d'accord hein. Je récupère ceux que je vois qui sont sur mon chemin, mais il y en a plein qui sont cachés et parfois très bien cachés. Donc pour ceux qui veulent jouer, je vous garde au moins ça en secret. Notre premier ennemi. Une ruine insidieuse. Donc comme on peut le voir, hein, plus on s'avance dans le Pays des Merveilles et moins il devient joli quand même. Les fleurs aspirent à être simples et constantes, la raison d'être des hommes est changeante. Car esclaves des souvenirs, les souvenirs doivent être maîtrisés, Alice. Ceux qui sont inutiles doivent être éliminés. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que je récupère des dents? Parce que comme je l'ai dit, c'est la monnaie dans le jeu et ça va nous permettre d'améliorer nos armes. Donc là aussi, il est important de récupérer un maximum de dents, puisque comme vous en doutez, plus on va avancer dans le Pays des Merveilles et plus les ennemis seront forts. Et donc avoir des armes fortes sera fortement conseillé. Et nous arrivons vers la Duchesse. Pour ceux qui connaissent American Maggies ou qui ont lu les livres, vous aurez la référence de qui est la Duchesse. Dès qu'on arrive chez la Duchesse, ça sent fortement le poivre et elle tient un bébé avec une tête de cochon. Voilà, je vous donne juste ça pour que vous puissiez comprendre la suite. Ah, encore toi, Alice. Approche donc. Pourquoi le ferais-je? Vous voulez me manger? Oui, en fait, non, j'en ai assez, des filles aux drôles de goût. Je suis un régime cochon. Je parle de l'art et la manière, tu comprends? Bien sûr que oui. Bien, tu vas mettre ton groin de sel. J'entends mon repas là-dessous, trouve-le pour moi. Mais prends garde aux pestes qui bloquent la voie. Assaisonne-les s'il le faut. Je pense que tu es la parfaite vaisselle et cervelle pour cette tâche. Ce moulin te sera très utile. Et vos propres jambons, alors? Question de priorité. Ma peau d'albâtre doit rester assez peu appétissante pour les créatures des environs. Sans assaisonnement. Bien, tends ton oreille à tous les grognements, puis vise le groin. Tu devrais aimer ça, tout comme moi. On veut pas se moquer du physique des gens, mais là quand même prenons 2 minutes pour avouer qu'elle n'a pas un physique facile la madame, hein. On est d'accord. Allez, on va récupérer le moulin à poivre. Vous avez obtenu de la Duchesse édition cochon le moulin à poivre. Assaisonnez vos ennemis, préparez des groins corsés. Et on peut voir le symbole de Jupiter dans les angles. Il y a énormément de symboliques cachés dans Alice au Pays des Merveilles. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec l'ésotérisme. C'est pour ça que je propose également de découvrir ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir.
Ok, donc là on a une petite serrure, on voit qu'on peut pas passer, donc on a certainement des choses à faire. Une vislule. On va utiliser notre brin. Attendez, tatatac. Ok. Et voilà que nous avons un groin volant qu'il va falloir poivrer. Et pareil, les groins sont importants puisqu'ils vont permettre de pouvoir révéler certains secrets ou certains trésors également. Alors, je suis en train de constater aussi, j'avais pas fait nouvelle partie plus, donc je viens de voir que ça ne mettait pas les robes du jeu, enfin en fonction des niveaux. Par contre, mes dents et mes armes, elles, ont vu leur... Attendez, je vais vérifier un truc. Non, pourtant elles sont à 4 toutes les deux. Ok, donc si... ok, c'est juste que ça m'a pas pris en compte le DLC. Bien, bien, bien. Alors, assaisonnons notre groin. Donc voilà, ce que je vous disais, vous voyez, quand vous allez dans le menu options, vous allez dans vos armes et les dents permettent d'améliorer les armes. Là, on peut voir que j'ai toutes les armes et qu'elles sont déjà toutes améliorées full, hein, au maximum. Simplement, je vois que ça ne m'a pas pris en compte le DLC, c'est-à-dire que le DLC, c'est une petite extension qui propose des armes supplémentaires et des tenues également supplémentaires. Alors, maintenant que nous avons assaisonné notre groin, on va pouvoir retourner voir la duchesse. Profitons encore de ces derniers paysages, parce qu'il se pourrait que le Pays des Merveilles change très rapidement. Merci beaucoup pour le groin. Allez, va-t'en. On a un autre groin ici. Et on a un comité d'accueil. Bah, RIP le comité d'accueil. Voilà, on sera plus embêté. Je vais vous montrer un petit quelque chose aussi. Pareil, je vais pas toutes les chercher. Comme ça, ça évitera que je vous spoil tout et que je vous spoil le plaisir du jeu. Mais dans Pays des Merveilles, vous allez avoir des choses qui sont cachées et que vous allez pouvoir activer avec votre petite taille. C'est-à-dire que, voyez, regardez, oh, un trou de serrure. Alors que si je n'avais pas activé, alors soit si je m'en approche de près, elle se révèle. Et sinon, si je suis trop loin, je peux activer ma petite taille pour qu'elle puisse se révéler. Donc pensez-y.
si jamais vous voulez jouer au jeu, il y a énormément de secrets qui sont dissimulés comme ça. Parfois, ce sont des secrets assez importants puisque ça va être soit des souvenirs à retrouver, ça peut être des bouteilles, ben là nous avons une bouteille. Ça peut être des salles Radula, donc les salles Radula permettent de gagner des roses supplémentaires. Vous voyez ma barre de vie en haut à gauche. Quand vous débutez, vous n'avez que 5-6 roses, pas plus. Et au fil du jeu, plus vous allez faire des salles Radula, plus vous allez gagner des fragments de roses qui vont permettre de pouvoir allonger votre barre de vie. Et là aussi, ce qui va être très utile, parce que comme vous en doutez, on meurt assez souvent dans ce jeu. On meurt même très souvent parce que soit on a mal calculé un saut, un peu comme dans Tomb Raider, hein. Si vous calculez mal un saut, c'est la mort. Mais encore que le jeu n'est pas trop punitif parce qu'il y a énormément de sauvegardes et de points de contrôle. Donc ce qui fait que si vous mourrez, il y a de fortes chances pour que vous réapparaissiez juste avant votre mort. Donc c'est... le jeu pour ça n'est pas trop punitif par rapport au premier. Le American Maggie's était beaucoup plus punitif sur la mort. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas sauvegardé, fallait tout recommencer, parfois le niveau entier. N'hésitez pas, si le jeu et la vidéo vous plaisent, à me mettre un petit pouce bleu et pensez à vous abonner à la chaîne. J'en profite pour faire mon racolage de youtubeur. C'est toujours important le racolage de youtubeur. Regardez là, on a un nouveau souvenir qui est un miroir, donc ce qui veut dire que c'est rattaché à un autre personnage. Mangez votre soupe, des veaux sont morts pour ces fantaisies. Personnage que nous n'avons pas encore rencontré. Vous vous souvenez de la statue de Alice avec la cascade, hein, c'était mignon, elle pleurait avec la cascade. Là, elle pleure des trucs qui sont pas très propres déjà. Hein. Des ruines glissantes. Ah, saleté. Je ne t'avais point vu. Petit spoiler, ici, là, si vous sautez, il y a un champignon qui va apparaître. Et là-bas, vous avez un trou de serrure avec quelque chose à récupérer. Bon, rêvez pas, je vais pas tout vous spoiler. Hein, ça sera à vous aussi de faire le reste. Bon, profitez de ce dernier paysage. Comme on peut le voir, les nuages sont en train de changer de couleur. L'ambiance change de couleur. Et notre pays des merveilles commence à être amoché, comme l'esprit d'Alice. Magnifique pays des merveilles, mon dieu, mais que se passe-t-il? Il tombe en ruine, comme Alice. Se pourrait-il que le pays des merveilles soit rattaché à Alice? Et que sans Alice, le pays des merveilles n'existe pas? Et réciproquement? Mais le problème, c'est que comme Alice a passé quelques années dans un hôpital psychiatrique, on ne sait pas si le pays des merveilles finalement est dans sa tête, s'il existe réellement, on ne sait pas, c'est un mystère. Alors, fée de Cottingley, lis ceci comme si ta vie en dépendait, du reste c'est le cas. Rassemblez ces petites choses blanches, semblables à de l'ivoire, pour ne pas finir enterrée vivante. Mes amis aiment la purée, tes armes le sentiront passer. Voilà, donc ça c'est ce que je vous expliquais. Quand vous ramassez des dents, ensuite vous allez pouvoir améliorer vos armes.
ce qui va permettre d'améliorer leur puissance. Le chapelier n'a jamais supporté les défaillances. Cette catastrophe est soit son chef-d'œuvre, soit une épitaphe. Elle parle du chapelier. Se pourrait-il que nous allions en direction du chapelier ? Bon, bah, si on comptait faire demi-tour, c'est un peu raté. Nous pouvons voir des théières à l'horizon. Serait-ce le monde du chapelier fou et du lièvre de Mars ? Un fou de thé. Alors, pour ceux qui ont joué au jeu, là, vous m'avez vu un petit peu tricher parce que la théière, c'est une arme qu'on récupère bien après. On n'est pas censé la voir, là, à ce niveau. Mais je m'en fous, c'est ma partie, je fais comme je veux. Vous noterez quand même, le paysage est super joli. On est dans une espèce de ravin, de canyon, avec toutes ces tasses de thé géantes. Je trouve ça... Et encore une fois, nous avons ici des symboles ésotériques. Là, si je dis pas de bêtises, c'est le symbole de... C'est pas le symbole de Mars, c'est pas celui de Vénus. Je me rappelle plus. C'est pas le symbole de Saturne. C'est peut-être le symbole de Neptune. Ouais. Ouais, c'est... Je pense que c'est le symbole de Neptune. Mettez-moi en commentaire si j'ai raison, mais il me semble que c'est le symbole de Neptune. Alors, vous vous rappelez que je vous ai dit, lorsque vous êtes bloqué, vous savez pas quoi faire, comme on peut le voir, là, il y a des dents, mais elles tiennent dans le vide. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller tout droit, mais on n'a pas d'autre chemin possible. Donc, si vous êtes perdu, vous activez, hop, votre vision, et oh, regardez, c'est magique. On a ici un chemin qui se révèle à nous alors qu'il est caché. Et pareil, nous avons ici un trou de serrure. Oh, on va y aller, tiens, on va y aller. On est à côté, allons-y. Et on a une bouteille à récupérer. Alors les bouteilles, ça sert surtout à débloquer des artworks et 2-3 bonus dans le jeu. On va prendre les fleurs aussi parce que vous avez vu quand elles se fanent. Donc attendez bien que votre barre de vie soit pleine, hein, que les fleurs, elles vont restaurer intégralement votre santé. Et une fois que votre santé est restaurée, vous allez pouvoir lâcher le bouton et récupérer les dents qu'elles vous donnent. Parce qu'elles vous donnent aussi des petites dents, donc ça peut être utile. Là, on va tricher, mais je me souviens qu'il y a des limaces. Voilà. Donc... Comme j'avais pas envie qu'elles me sautent dessus, autant les éliminer tout de suite. Allez, on va pouvoir y aller. Ici, nous avons un autre souvenir.
cela aurait pu arriver, chère Alice? Connaissiez-vous le pauvre Monsieur Crook? Mort, calciné. Le docteur Wilson ne croit pas aux combustions spontanées, mais Monsieur Dickens avait raison. Regardez ça, pour ceux qui sont fans de l'univers steampunk, je vous présente le monde du Chapelier Fou, qui est, c'est le cas de le dire, qui est fou. Tous ces engrenages, tout cet univers steampunk, je surkiffe, surkiffe de ouf. Oh, je t'avais pas vu. Je ne t'avais point vu. Tiens, je t'ai poivré la tronche. Et en parlant de poivrer la tronche, nous avons un groin ici. Pareil, cette arme là avec la tête de cheval, je suis pas censé la voir tout de suite. Allez, allons chez le Chapelier Fou. Un grand niveau nous attend là-bas. Pas classe ça de se déplacer en théière volante, hein, franchement, quand même. Hatter Industries, les industries du Chapelier. Domaine du Chapelier. Chez le Chapelier, presque comme je m'en souviens. Les apparences, tu le sais mieux que quiconque, sont parfois trompeuses, Idel. Les choses ont changé depuis ta dernière visite. Le docteur Bumby dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer en bien ou en mal, mais sûrement pas en la même chose. Le Chapelier, trouve-le. Son esprit est plus changeant que le tien. Que sait-il de la différence entre le bien et le mal? Tu t'amuses bien, Lydia? Je vois que tu n'as toujours pas retrouvé le sens de la réalité. Je sais me débrouiller toute seule, chat. Retourne donc dormir sur ton paillasson. Je crie si j'ai besoin. Quelle humeur de chien! La question n'est pas si tu as besoin, Lidl, c'est quand. Va, tiens bon, et comme on dit, et toi? Bien sûr, facile à dire. Entrée fracassante. Alors maintenant qu'on est dans le domaine du Chapelier, tout ce qu'on vient de faire là, c'était vraiment une sorte de prologue, un prélude. On peut dire que l'aventure commence vraiment ici. Habituellement, mes entrées sont plus soignées. Donc, y a un groin de cochon. Je sais plus où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est à l'extérieur. Ici, vous avez un souvenir. Lizzie, te souviens-tu de cette vapeur qui a soulevé ta robe par-dessus ta tête? C'était juste devant chez Arroz. Heureusement que je venais de laver ta culotte. Bon, comme je l'ai dit, le but, c'est pas de faire de tout récupérer. Hein. C'est vraiment de s'amuser, de jouer, de faire l'aventure avec le scénario. Saleté. Il n'a pas voulu se faire poivrer. Ici nous avons des dodos rôtis. Thank you.
Alors, je tiens à préciser, ne croyez pas que le jeu est facile, hein. C'est pas parce que vous me voyez jouer avec une certaine aisance. Non, croyez-moi, il m'a fallu m'y reprendre à plusieurs fois avant de maîtriser le jeu comme ça, hein. Regarde un petit peu les paysages extraordinaires. Les paysages sont fous, sont vraiment fous. J'aurais pu sauter, j'aurais pu, j'avais le temps. J'ai pas voulu prendre de risques, j'ai voulu jouer safe. Main, enlève-moi cette visée! Petit couac dans les visées. Alors excusez-moi, c'est possible que durant le jeu, je mélange un peu les pinceaux parce que la configuration sur la manette, enfin la façon de viser sur le PC n'est pas la même chose que sur la console. Donc, comme j'ai plus souvent l'habitude de la console, il se peut que je me mélange parfois les pinceaux, hein, et que je meure bêtement à cause d'une mauvaise manipulation. Regardez, là vous voyez, je viens d'activer le pouvoir de la fleur et on peut voir qu'il y a des plateformes ici qui vont être utiles. Hop, là nous avons un secret avec un groin. Des dents en or à récupérer. Les dents en or comptent pour 5 dents normales. Donc c'est quand même intéressant de les récupérer. Je t'ouvre mon cœur, Alice. Pour toujours. Sans limite. Pas de serrure. Faisons attention. Là, ici, il y a un secret en face. Je suis sympa, hein, je vous montre des trucs, hein. Écoutez bien quand vous jouerez au jeu pour savoir où sont les groins. Dès que vous les entendez grogner, ça veut dire que vous êtes proche du groin. Et lui, il est là. Bon, on va pas y aller, mais vous avez vu, c'est pour récupérer une bouteille, hein. Ici, on a une serrure aussi. Donc, on va y aller. On est à côté. Je sais que vous m'avez comprise, petite capricieuse. Utilisez le bassin et laissez cet affreux lapin. Je tiens à vous rassurer, si vous ne trouvez pas tous les souvenirs, ça va pas avoir une influence sur le jeu, hein. Ça va pas vous empêcher de finir le jeu. Simplement, ça va vous fournir des indices supplémentaires pour comprendre l'histoire d'Alice, l'histoire des personnages, qui ils sont vraiment. Là, pareil, on a un groin, on va le faire puisqu'on y est. Qui nous mène ici à une serrure.
Alice était souvent seule, une enfant froide et réservée, je présume. Sa grande sœur, bien que très appréciée, n'était plus en âge de jouer. L'horloge qui tourne. Allez, là on va avoir une petite phase d'action. Pomirette. Elles sont super chiantes à combattre, elles, c'est une horreur. Saleté. Objet trouvé, la porte s'ouvre. Pressé par le temps, trouve-le, ou tu en seras. Pareil, là, je viens de poser un petit lapin, qui est une bombe en fait. Je suis pas censé l'avoir tout de suite. Un peu de tenue. Donne ton meilleur au chapelier, veux-tu bien? Mais ça par contre, la chronobombe, on l'a quelques temps après. Elle est très utile parce que la chronobombe, elle a le pouvoir d'attirer vos ennemis, de créer une sorte de leurre. Et en plus de ça, elle a un poids qui est très important et vous allez pouvoir la poser sur des interrupteurs afin de simuler votre poids. Ce qui est pratique parfois, puisque il y a des mécanismes qui sont chronométrés. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans l'univers et l'ambiance steampunk à fond les ballons. Hein. Je vais pas y aller, mais ici, si vous y allez, il y a, vous voyez, ça vous le donne ici. Il y a des petits secrets. Alice glisse au pays des merveilles. Pardon, je suis obligé de la faire celle-là. Bon, voilà la fameuse petite chronobombe dont je vous parlais. Objet trouvé. Ben, on a trouvé des dents déjà. Là, il y a un petit souvenir. On va aller le récupérer. On est à côté.
Nous allons tous brûler dans nos lits, Alice, à cause de la passion dévorante de ton père pour les journaux. Tout cet amoncellement hautement inflammable n'a besoin que d'une simple étincelle, et pouf! Nous ne sommes plus que fumée et cendres. Ok, donc on nous parle beaucoup d'incendie, on a compris que la maison d'Alice a brûlé, que ses parents sont morts dans l'incendie ainsi que sa sœur. Et là, regardez, nous avons une porte où il y a écrit Lidl. Alors, on va éviter les blagues Aldi, Auchan, Casino. Bon, là, c'est Lidl. Et derrière ces portes sont très importantes. Ne passez jamais les cinématiques pour comprendre l'histoire, puisque on va avoir un souvenir ravivé dans la mémoire d'Alice, qui va nous rapprocher ainsi de ses souvenirs, quoi. Bibliothèque était un piège. Un grand incendie prêt à se répandre. Première clé. Je vous rappelle que les chapitres sont symbolisés par des clés, donc ce qui veut dire que là nous venons faire un premier chapitre. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je vous résume, mais quand Alice... Vous voyez là, j'ai perdu plein de vie, c'est normal, hein, c'est le jeu qui m'a fait perdre plein de vie pour montrer quelque chose. C'est que quand Alice, il lui reste plus qu'une rose de vie, elle rentre dans un état de furie où aucun ennemi ne peut lui faire du mal. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas mourir pendant ce laps de temps. Et toutes vos munitions sont infinies, c'est-à-dire que les armes, quand vous les utilisez, elles vont surchauffer et vous êtes obligé d'attendre quelques instants avant de pouvoir les réutiliser. Que là, dans ce mode d'hystérie, en fait, vous pouvez vraiment tout utiliser à l'infini jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Serait-ce le chapelier? Mauvais rêve! Bonne nuit! Chapelier, je vous ai laissé en mauvaise posture. Oui, hein, quoi? Mais pas à ce point. C'est toi! Qu'est-il arrivé à votre chapeau et à vos autres membres? Perdu, tu vois! Mais ne les regrettons pas. Regrettons plutôt leur perte. Pour ce qui arrive... Tu dois mieux savoir que moi. Chacun sa place après tout et tout ira bien. Savez-vous au moins quelle est votre place? Et comment y rester? Maintenant, que se passe-t-il? Ah, voilà ce qui se passe. Tout autour, en haut, en bas, dans l'oreille, dans les yeux, et par les narines, par le gosier, jusque dans les noyaux. Mon père était passionné par les trains, ce qui n'est pas mon cas. Tu n'aimeras pas celui-là. Si seulement la tortue était toujours chargée de ses voix, ce n'est qu'un désastre sanglant. À la puanteur infecte, aux phares aveuglants, aux sons infernales. Ah, bien, j'y suis. N'en rajoutez pas. Train sauvage. Le monde est sur la tête, Alice. Les fous dirigent l'asile. Tu le sais. Et le plus dur, je n'ai plus de thé. Atroce. Si je vous aide, vous m'aiderez en retour. Croix de bois, croix de fer. Trouve mes membres et mets-les dans le trou. Les machines feront le reste. Suis ton chemin, va, gentille fille. Tu peux repartir par l'horloge. Petit spoiler, mais le chapelier dans Alice Madness Returns est gentil, alors que dans American McGee's, il n'était pas très cool et c'était même un boss. En fait, quasiment personne n'était gentil dans le premier. Ah,
Donc, vous l'aurez compris, il va falloir retrouver les membres du chapelier et le reconstituer. Voilà, ça c'est ce que je vous expliquais. Vous voyez, si je m'enlève de la dalle, le piston va remonter tout de suite. Donc, le petit secret, c'est de mettre un petit lapin sur la dalle pour faire contrepoids. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça me permet de pouvoir aller dessus. Et je sais pas si vous avez vu, en haut à droite de l'écran, on a un petit chronomètre qui défile de la chronobombe. Puisque il y a un chronomètre. Hein. C'est pas un temps infini, au bout d'un moment, la bombe va se déclencher. Filtrage des arômes. Assemblage, coût, destruction. Ou destruction, pardon. Et chauffage et pression. Petite ombrelle, ça c'est une arme également, une arme qui va agir comme un bouclier qui va nous permettre de nous protéger. Et là on va affronter un ennemi qui est particulièrement chiant. Alors lui il faut l'esquiver. Et dès qu'il envoie, voilà, ses boules comme ça, il faut utiliser la petite ombrelle. Alors là, je viens de dire que cet ennemi était chiant à battre, mais parce que j'ai des bonnes armes aussi, hein, je tiens à le préciser. Parce qu'elles sont boostées à fond et parce que aussi je connais. Mais sinon, c'est... Oh là là, cet ennemi, c'est vraiment chiant. Et j'ai mis un moment à comprendre quelle était sa faille. Par quoi on va commencer les amis? Filtrage des arômes ou chauffage et pression? On va se faire chauffage et pression, ça sera fait, parce qu'il est un peu chiant ce niveau. Stella, si tu passes par là, c'est pour toi. Petite dédicace. J'adore ce jeu, j'adore. L'univers est tellement triste, tellement beau, tellement torturé à la fois. Et là, vous n'avez rien vu. C'est-à-dire que ça va aller crescendo en termes de glauquissime hein, dans les niveaux. Mais je vous dis rien, ça faudra regarder la suite si vous voulez savoir. Le chat. L'étendue de cette désolation n'est connue que de ceux qui en souffrent. Votre nouveau chef, le lièvre de Mars. Donc ici nous sommes sur le terrain du lièvre de Mars. L'industrie vit de nos souffrances, avidité et lassitude, Alice. Voyez ce qu'elle a fait de ce quartier. Vous devriez vivre à la ferme, en Australie peut-être. Nous devrions céder ce qu'il reste de votre héritage. Et vous allez comprendre quand je disais que ce niveau est chiant au possible. Parce qu'il n'est pas impossible que je puisse mourir. C'est une option qui n'est pas envisageable. Mais c'est une option qui peut être envisagée. Donc là on va mettre un petit lapin. Voilà, ça nous permet d'arrêter les points parce que sinon on ne peut pas passer. Et on a intérêt à se dépêcher. Ouh, j'ai chaud. Donc là, pareil, on remet un petit lapin. Lapin. Va nous permettre de pouvoir passer le niveau suivant avec les engrenages. Hop.
Oui, j'ai pas pris les caisses, je sais. Je crois qu'elle est morte. Je crois que je me suis fait écrabouiller. Voyez, ça me permet de vous dire que lorsqu'on meurt dans le jeu n'est pas trop punitif. Voyez, ça me ramène là où j'étais, quoi. En fait, je me suis bloqué, là, dans le... dans la grille. C'est chiant, ça. Ça s'appelle des bugs de collision. Quand vous croyez que le chemin est libre et, en fait, vous avez un mini-pixel qui empêche au personnage de passer. Du coup, ça vous fait mûrir. C'est rien, ce n'est pas un bug. C'est que ça charge. Ah ouais, là, on a une théière. On a une théière qui va nous attaquer, là. Oh là. J'allais être vulgaire. La grognasse, elle nous a touchés. Si vous êtes malin, quand vous passez à certains endroits, voyez, on peut voir qu'il y a des choses violettes là qui brillent. Et si vous activez votre pouvoir, on peut voir ça. Donc si vous y jouez, essayez d'être attentif au sol, en l'air. Si vous voyez des petits pétales violets qui brillent, c'est que possiblement il y a un message qui est caché, qui pourra être révélé avec votre pouvoir. Facile. Non mais en vrai, je vous jure, on a l'impression que c'est super simple comme ça, mais si vous saviez le nombre de fois que j'ai recommencé. C'est-à-dire que les rares cheveux qui me restaient sur le crâne, j'ai fini par les arracher en fait avec ce jeu. Certains insectes mangent leurs petits, Alice. Nous avons beaucoup à apprendre, de leur vie ou de leur mort. Le prochain niveau... Non, c'est pas encore celui-là. Mais alors, vous allez voir, le dernier niveau, il est juste atroce. Bon, attendez, on va aller... Il n'y a pas un groin de cochon, là, quelque part par là? Il me semble que si. Ouais, là. Parce que de l'entendre renifler, ça va me stresser. Donc là, nous sommes dans la salle de torture des dodos. Alors pour ceux qui ont, qui seraient sensibles à la maltraitance des animaux, je vous invite à ne pas regarder ça. On va d'ailleurs essayer de passer très rapidement ce passage, parce que moi-même, je n'aime pas ce niveau qui est dérangeant. Ce que je trouve extraordinaire dans ce jeu, c'est à la fois qu'il est narratif, il est immersif. Il y a des phases de plateforme, des phases d'action. Le level design est incroyable, les musiques sont incroyables. Enfin, pour moi, il fait vraiment partie des très bons jeux et des jeux à faire au moins une fois dans sa vie. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas dégueulasse, hein. C'est un jeu qui date de 2011. Je trouve qu'il a bien vieilli.
franchement, il reste très joli, même comparé à certains jeux qui sont sortis là récemment. Je connais certains jeux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps et qui sont dégueulasses. Vraiment. Donc là, on a un petit souvenir. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de l'attraper? Ouais. Ouais. Le canari s'endort dès qu'on couvre sa cage, Alice. Comme par magie, il dort du sommeil du juste. Comme maman et papa, ils dorment comme des loirs. Alors c'est... Ouais, voilà, c'est ça, la salle des moteurs. Grosse dédicace à toi, Stella. Ce niveau est juste infect. Tu aurais mieux fait d'écouter mes avertissements. Donc, sans un regret, je m'apprête à te faire bouillir comme une écrevisse géante. Allez, concentration au maximum. Je dis ça et je vais mourir là tout de suite. Ah bah ça m'a remis impeccable. C'était une bonne idée de mourir du coup. Parce que vous voyez, je viens d'en face là. Et le but était que je revienne là où je suis. Parfois mourir dans ce jeu peut être le glitch qui vous permet de passer un endroit que vous n'arrivez pas à passer. Ok, easy. Easy, easy. On est bien là, on est bien. Je vous dirai après. Oh, doucement là. Je vois plus rien. On va se détendre. Eh hey, mais ils sont fous dans ce pays. C'est quoi cette agression là que j'ai eue? Bon, oui, je voulais vous dire, vous avez vu l'action là tout à l'heure? Je suis mort. Pourtant, j'étais parti tout droit. Hein. Et par une opération absolument mystique, Alice est partie sur le teco. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, normalement, j'aurais dû atterrir. J'aurais dû y arriver. Mais non. La vie, on a décidé autrement. Eh, ma dent, j'avais une dent là, ici. On m'a escroqué d'une dent. Bon, c'est pas grave. Regardez, voyez ce que je vous disais? Ici, on a des petites choses violettes là qui brillent. Eh bien, si on fait ça, on peut voir ça. Vous voyez, des indices qui nous permettent, voilà, si vous êtes perdu, il vous suffit d'activer votre petit pouvoir là et hop, vous savez où vous êtes. Enfin, vous savez ce qu'il faut faire.
Aidez-moi, je... Bon, on a au moins réussi à faire se reposer ce dodo. Enfin, je crois qu'il bouge plus le dodo. Je crois qu'il fait dodo. Ouais, je sais, elle était pourrie. J'avais le temps de passer 1000 fois là en fait. Bon, c'est pas grave. Nous avons libéré les jambes du chapelier et on finit dans le vide ordure. Normal. La dextérité sera appréciée. Tu seras remercié quand je serai tout recros dans le lit. Ne dors pas sur tes lauriers. Des chiffonniers, des chaises longues, des chaises pliantes, bancs. Il est vraiment perché, notre pauvre chapelier. Mais on l'aime bien. Ah, c'est pour ça qu'on l'aime, notre chapelier. Allez, donc maintenant direction le filtrage des arômes. Filtrage des arômes, ça fait penser au thé, ça quand même. Quand même. Je dis ça, je dis rien. Donc là, c'est le domaine du Loir. Vous savez que le chapelier et le lièvre prennent le thé avec le petit de Loir. De tes pas lumineux, la voix s'éclaire, mais la marche est hasardeuse. La paix des meilleurs est repoussée jusqu'à nouvel ordre. La paix. Filtrage des arômes. Avec le Loir là qui est en mode dictateur. Alors que les suivez l'industrie. On va éviter de tomber dans cette mélasse ardente. Je pense que ça brûle, donc dans le doute. Embrasser l'industrie et l'efficacité, vos nouveaux chefs. Ils ont une tête de cinglés tous les deux. Donc nous sommes vraisemblablement dans une fabrique de théières en métal. Hein. Tout ceci doit être du métal fondu. Donc ne tombons pas dedans.
avez intérêt à bien calculer vos sauts. Est-ce que... toute erreur serait fatale, là. Pour ceux que ça intéresse, il y a voilà, un petit souvenir là en face. Moi, je m'en fous, je vais pas aller le récupérer. Comité d'accueil, hein. Comme d'habitude, partout où nous arrivons. Non, elle a pas envie de viser. Elle avait pas envie. Ok, donc on peut entendre un groin. Il doit y avoir un groin pas loin. Ok, donc là concrètement, on pourrait s'enfuir, mais non, on ne le peut pas. Alors, pour ceux qui voudront jouer, là, je vous invite à fouiller toute cette zone quand le métal est refroidi, parce qu'il y a énormément de choses à trouver. Il y a des serrures, il y a le groin, hein, voilà, il y a plein de choses. Je vais pas tout faire, parce que moi, je m'en fiche. J'ai déjà récupéré tout ça. Mais voilà, sachez-le, fouillez bien. Attention, garde ton calme, saute sur les vents, le suivant, et ainsi de suite. Vous voyez, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que c'est faut vraiment mettre de la mauvaise volonté pour être perdu et pas savoir quoi faire. Parce que entre le pouvoir et le chat qui vous facilite grandement le parcours, si vous ne trouvez pas votre chemin dans ce jeu, c'est que vous n'êtes pas fait pour jouer au jeu, hein, tout simplement. C'est quand même ce jeu et je trouve facile par rapport à d'autres. Ah oui, ici vous avez un groin avec une théière. Elle fait flipper la théière là, avec son gros œil comme ça. Elle fait vraiment flipper. Non. Là. Où est-ce que j'allais, moi?
Attendez, je suis où? Je sais plus où je dois aller. Dixit, le mec qui vous disait 2 minutes avant, non mais c'est facile, on peut pas se perdre dans ce jeu. Pareil, les dents, je les ramasse pas toutes parce qu'il y en a beaucoup dans les caisses. Enfin bref, dans tout ce que vous pouvez détruire, souvent il y a des dents à récupérer. Donc c'est là encore facile d'en trouver. J'espère que tu en as autant. Vous voyez, dans ces pots là, dans ces caisses, vous avez souvent plein de dents. Donc pour améliorer vos armes, c'est très facile là aussi. Des fous de thé. Bah voilà. Là, vous avez une bouteille. Je le récupère pour le principe, mais j'en ai pas l'utilité. Bon, ici on va essayer de pas se planter parce que... Voilà. Parce que pour choper ce champignon, c'est assez traître. Décadence, gâchis, la folie du chapelier s'arrête aujourd'hui. Regardez, nous avons le Loir. Tu n'es pas la bienvenue ici. Nous avons une mission à remplir. Et tu es une contrariété intolérable. Et là, nous avons les bras du chapelier. Fait flipper le Loir, hein. On est d'accord. J'avais le temps de passer là encore. C'est pas grave. J'ai pas... Oh, j'ai eu peur là. J'avais pas assez pris mon élan. J'adore cette musique. Vous avez vu, on a un trou de serrure là. Donc ce qui veut dire que peut-être faut-il refroidir le métal et venir récupérer ce qu'il y aura dedans une fois froid. Oh, t'es prétentieuse la petite souris, hein. Tu me connais pas bien.
chemin secret. Faites attention là, parce qu'il y a du métal fondu qui sort par les tuyaux. Passage aussi là un petit peu chiant parce que vous avez des dalles voilà qui sortent comme ça du feu, enfin qui flottent sur le métal fondu et du coup faut se dépêcher, voilà, faut avoir une bonne dextérité parce que c'est vous allez mourir un paquet de fois sinon hein. Paris. Allez hop, dans le vide ordure, nous aussi. Bien, et là, nous avons notre chapelier qui est reconstitué. Nous avons récupéré ses jambes et ses bras. Le regard de psychopathe, j'adore. J'ai terminé. Vous êtes entier, chapelier ? Bien. Maintenant, qu'en est-il de ce maudit train ? Je suis un nouvel homme ! Oh, nouveau quelque chose ! Je suis comme une lame neuve, comme une si caustique, comme la poudre aveuglante qu'on a dans l'œil. Répondez-moi, chapelier. Je souffre. Les changements ici sont-ils cause, reflet ou effet ? Oh, que se passe-t-il ? Quelles sont les nouvelles règles ? La règle est juste. Juste à portée de voix. La voix qui mène au savoir. Savoir comment mesurer les règles avec une règle. Règle cruelle. Idiot, vous étiez mieux en morceaux. Venez, vous pouvez au moins m'aider à trouver ce qui se passe ici. Nous avons le chapelier donc avec nous. Mis à la photo et ses produits, je suis sûre, sont mauvais pour la santé. La folie commence. Ces morceaux d'encre nous serviront à construire la route vers l'assemblage.
Alice, je vais ouvrir cette porte. Non mais oh, c'est qui le patron là ? Attends, avant de te suivre, moi j'ai des choses à récupérer. Donc, hein ? Voilà, maintenant on peut y aller. Alors ici aussi on a une serrure, je vais pas y aller. Mais voilà, vous le savez. J'ai l'air de le savoir. Ton jugement est sérieusement faussé. C'est curieux ce son de train qu'on entend. Serait-ce une menace ? De ce tumulte. Ces deux-là tremblent-ils ? Que complotent-ils ? Tu es aussi folle que le fou chapelier, Alice ! C'est trop tard ! Il est parti ! L'insolence, l'arrogance, les mauvaises manières à table, ils détruisent le pays des merveilles ! Détracteurs dérangeants, diaboliques, délicieux, ont-ils vraiment créé ce train pour détruire le pays des merveilles ? Est-ce bien important ? Ils méritent la mort ! Ah ! Qu'on me laisse maintenant ! Il faut que je... Assez parlé ! Place à l'action ! N'espérez plus ! Oubliez le passé ! Le mal est fait ! Que la folie commence ! Place à la démence ! Oups ! Prenons le thé et parle avec la tortue, elle connaît.
connais bien les mots. Allez, restons bons amis. J'ai un excellent argent. Buvez donc. Mes souvenirs sont brisés. J'essaie de les reconstituer. Mais ce train doit vouloir m'en empêcher. Vous devez m'aider. S'il vous plaît. Cherche celui qui t'aidera si tu t'aides toi-même. Un certain le ciel. N'importe quoi, il peut bien mourir. Je vais me noyer dans le temps, dans l'ignorance. Voilà une étrange nymphe. Par tous les saints, comment elle est arrivée là, celle-là? On en fait quoi? Mettons-la à la sirène mutilée pour la mais nuit. Dans l'eau. Va faire le beau pendant une bagarre. Que faites-vous donc? Ce que veut la nature. Je ne m'entends pas avec elle. Dégagez. C'est ici que va s'achever notre première partie de l'aventure avec Alice, retour au pays de la folie, puisque nous venons de terminer tout le domaine du chapelier. Donc on a pu voir qu'un train cathédrale menaçait le pays des merveilles et que Alice se posait des questions sur l'origine de ce train et où est-ce qu'il allait et qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire pour la suite. Comme vous pouvez le voir, on retrouve Alice dans notre vieux Londres. Donc, est-ce que Alice a rêvé? Est-ce qu'elle a vraiment vécu cette aventure? Est-ce que le Pays des Merveilles existe ou pas? On ne sait pas. On le découvrira peut-être plus tard ou pas. Ça restera peut-être à jamais un mystère. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un joli pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne et tout ce qui va avec. Et nous, on se retrouve dans la prochaine partie avec Alice pour le prochain monde qui sera à découvrir. En attendant, prenez soin de vous.